Hey, salut tout le monde, c'est quoi moi Angus? Bienvenue aujourd'hui sur Dragon Age Origins pour la suite des aventures, le 18e épisode, si je ne m'abuse. Nous en sommes à la tour des mages avec les abominations. Pour rappel, Connor, le gamin, est devenu un Goa'uld. Alors, personne n'a réagi là-dessus, personne ne m'a dit oui, non, ok, c'est quoi? Tout le monde s'en bat les couilles. Bref, les Goa'uld, voilà, donc il était possédé par un démon. Et puis bah voilà, quoi, sa mère le savait plus ou moins. Et voilà, le gamin a voulu faire de la magie. Enfin, c'est pas qu'il a voulu, c'est que sa mère a engagé un mage de sang pour aider son fils à maîtriser sa magie. Malheureusement, bah, c'est un petit peu foiré. Et maintenant, voilà, on a rencontré aussi, c'est Wyrn, je crois, son nom, une mage prêtresse, hein, du coup, qui nous heal. Ça, c'est excellent. Et qui du coup on l'aide voilà pour et elle nous aide pour tuer les abominations et pour sauver un petit peu le cercle voilà en gros hein. J'ai oublié des petites choses mais c'est pas grave. Pas eu trop de commentaires là, ça va, j'ai pas trop mal joué. Qu'est-ce qu'il y a eu en commentaire par exemple qu'on m'a dit. Alors, je vais quand même changer la partie hein, maintenant. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Oh, putain, il y a deux commentaires et je m'en rappelle pas. Putain. Oh là. La loose. Ah, mais je sais plus ce qu'on m'a dit comme commentaire important en tout cas. C'est pas grave, c'est pas grave, écoutez. Ah oui, c'est qu'on est devant une porte. Oh, on peut voir ce qu'il y a comme ça là. Ah oui, d'accord. Oui, enfin, je savais, non mais. Je ne découvre pas non plus le jeu, vous inquiétez pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un petit peu de l'arnaque, ça oui, non, je veux pas savoir ce qu'il y a derrière les portes, moi. Allez, on avance. On y go, pas de combat. Voici l'étude d'Irvin. J'espérais le trouver ici, mais sans trop y croire. Bah oui, c'est vrai que ça peut être sympa que Irving soit dans sa chambre. Enfin, dans sa chambre, dans son bureau plutôt. Mais bon, il n'y est pas. Eh ben on va fouiller hein. Ah oui on a affronté aussi un boss là, enfin un boss, oui un boss on va dire, c'est un boss. Nouveau codex, la fraternité, ok, tintalantala. Oui excusez moi je fais souvent des petits bruits comme ça, tintalantala, c'est parce que bon, ça pourrait aussi animer un petit peu la chose. Ça c'est un coffre, ah il est ouvert le coffre d'Irving, qu'est-ce qu'il y a dedans? Cataplasme, du baume naturel majeur, et la sombre grimoire, un lourd grimoire. Ah putain oui c'est vrai que j'ai mon inventaire qui est plein. Aïe 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 aïe. J'avais oublié ce petit détail. Ouais vas-y détruis l'armure de cuir. J'ai complètement zappé ce petit détail. Épée de main équilibrée fait 11, épée longue des agents sur la garde, épée longue de la garde a fait 7,70, donc celle-là je peux la virer, elle me servira à rien. Bâton d'acolyte, 16 magie, 18 magie, 20 magie, on vire celui-là. Voilà, bon ça fait 3 éléments en plus. Ah oui, c'est ça, Tsubasa qui m'a dit que j'aurais pu acheter des sacs. Oui, en plus je l'avais lu ça quelque part une fois, qu'on pouvait acheter des sacs plus grands. Et oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Petite boîte peinte. Putain, une petite boîte retrouvée dans les bureaux. Ouais. Ah, est-ce que ça vaut le coup de prendre tout ça? J'en sais rien, je vous le dis. Mais bon, écoutez, je prends. Très bien, je suis pas sourd. L'erreur d'Irving. C'est, ouais, c'est trop de choses ici, trop de choses. Je dis trop parce que du coup, comme j'ai plus beaucoup de place, c'est un petit peu chiant. Des documents privés. Prendre. Oh là là là. Et celui-là, il est fermé donc ça tombe bien. Alors oui, je sais, du coup, je rate des choses, bien sûr. Je rate sûrement des belles armes, des belles armures et tout dans ces putains de coffres qui sont fermés. C'est pour ça qu'il va falloir absolument que je me fasse de la ruse à gogo. Pour pouvoir ouvrir ces coffres, hein, car ça me frustre de pas pouvoir tout ouvrir. Mais bon. Allez, on évolue, on avance. On grimpe. Dans cette tour des mages. Ah. En tout cas, ça fait toujours plaisir de se retrouver sur ce jeu.
Toujours un très grand, un grand plaisir. Oui, une porte là. Un coffre ici. Apparemment, c'est tout. Cet endroit est vide. Tout le monde est parti ou mort. Alors, attendez, je vais faire juste une petite chose pour sauvegarder. Oui, oui, je sais, ça fait 20 secondes que je joue, je sauvegarde déjà. Ouais, c'était pas ça que je voulais faire là-bas, c'est ça. Dans audio. Dialogue. Hop, on va le mettre un peu plus fort car on n'entend pas grand-chose. Le coffre c'est fermé, compris. Comme d'habitude. J'ai envie de dire. Ah, mais c'est vrai que c'est un petit peu frustrant et un petit peu dommage quand même, tous ces coffres fermés là. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose rapidement. Il n'y a rien ici, absolument. Que quick. Rien du tout, rien. Ah, par contre, il y a deux portes. Est-ce que je vais descendre ou est-ce que j'ai tout droit? Première, est-ce qu'on va vers le premier étage? Ou est-ce qu'on va... Oh, on prend cette porte-là. Voilà, ouais, une grande salle comme ça, à mon avis. Bon. Ça sent le... J'allais dire, ça sent le combat, mais... Laissez-moi un peu respirer, sur d'accord. La statue, la dernière fois qu'il y a eu une statue, on a dû affronter un boss. Et là, non, ça va. Ok. Parchemin. Ok. Ouais, je sais pas trop ce qu'il y a ici. Enfin, tout ça, je ne sais pas trop où ça va. Attends vite et fort! Nous devons à tout prix l'emporter! Vous avez combattu tel que je l'imaginais. Laissez-moi un peu respirer, d'accord? Ouais, on peut ça. Très bien, je suis pas sûr. S'il le faut, je le battrai! Assez! Calmé, hein. C'est compris. On va attaquer, allez. Bon. Hop. D'accord. Document privé, on prend. Bile de cadavre, il y avait longtemps. La bile de cadavre, je sais pas que ça servira, tout ça, la bile de cadavre, en tout cas on en chope souvent. Mieux vaut tard que jamais. Oh oh oh, tu es quand même Sten. Je sais pas si c'est Sten. Des fois on me dit que quand je dis que c'est Sten, mais sinon c'est pas Sten, des fois c'est moi qui parle. Ah, c'était Sten, je crois. Je me rappelle pas de la fois que j'ai fait. Boum, ça te choque, ok, super. Les gars, alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Donc là j'ai tout pris, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La statue, ok. Porte, là il y a un tas de livres, là il y a un cadavre, là il y a une statue encore, mais je vois qu'on prend des dégâts, mais c'est pas grave. La note. J'ai comme l'impression qu'on ne retrouvera pas notre jeune apprenti en un seul morceau. Ne sois pas défaitiste comme ça, s'il te plaît. Ok, la statue là qui ne m'a rien, qui n'a rien fait. Les cadavres. Documents privés encore, on les prend. Du vélin, on le prend aussi. Et toi, une bombe foudroyante, on prend. Alors par contre, avant de continuer par là, je vais juste voir si c'est la porte qui descendait menait quelque part d'intéressant ou pas. Ou est-ce que simplement on revient à l'étage précédent et c'est tout quoi. Ok, donc vénial, on revient... Laissez-moi un peu respirer, okay. D'accord. On revient d'où on vient, ce qui est tout à fait illogique dans l'absolu, vu que c'est pas la même porte, mais c'est pas grave. On va pas leur en vouloir non plus, hein. On va pas chipoter. Hein. Pas de combat ici, ok. Alors, un coffre fermé, je suppose, bah ouais, bien sûr. Ça aurait été trop facile que ça soit ouvert, ce putain de coffre. Une porte bloquée, ici il n'y a absolument que dalle. Des pièces jolies, enfin un petit peu comme ça, mais fermées. Fermées, mais sans rien. Allez, go. Le beau tard.
guillemets. Un peu. Vous êtes vraiment à humilier une vieille femme ? Vous avez combattu telle que je l'imaginais. Ces bêtes-là, quand elles meurent, elles explosent, mais c'est tout, voilà, y'a rien de. Ah, y'a même un piège, tiens, ici. Ces mecs, ils se rencontrent après, quoi. Ah, y'a même un piège. Quand elle passe, même boom de rock. Ok. Putain, j'ai plus de place quasiment. Et puis, si elle affronte un boss, il va me. Car oui, je suppose qu'on va affronter un boss, un arc long. Un dextérité 22, donc lui, je vais le prendre quand même, hein, mais bon, on verra au fur et à mesure. Oh, c'est. Waouh. La tour qui se fait en train de se faire bouffer, entre guillemets. Enfin, on dirait ça, on dirait que la tour se fait manger. Voilà, il n'y a rien d'autre. Morceau de papier. Okay. Oui, on avance, on progresse pour l'instant, on progresse bien. Alors, bon, là, des portes. Je m'y mets. Tu n'as aucune force, seulement du désespoir. S'il le faut, je me battrai. C'est compris. La bataille nous attend. Pas gagné de niveau moi là, ce mec. Ouh, un homme de templier, merde, 26 en force, putain. Ah, j'ai plus de place. Ah, je n'ai plus de place. Putain, ça me saoule. Bottes de maille, elles sont pourries, on va les jeter. Côte de maille, c'est pourri, on jette. De toute façon, pire, ça, c'est des trucs qu'on retrouve partout, donc c'est pas gênant. Et ça, on jette aussi. Voilà, ça me fait toujours 3 petites passes en plus. Là, le homme de Templier. On va juste voir quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut le prendre ou pas, ce homme? Excusez-moi, j'ai arrêté d'être mal poli. Sten ne peut le prendre. Poum, voilà, Sten, tu auras un homme de Templier. Tu seras content comme ça. Je sais pas s'il sera content, mais bon. Excusez-moi. Donc, encore un Templier. Ok, bombe de rock. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un tas de livres. Allons prendre ce tas de livres. Du vélin. Ok. Chut. Putain. Pourquoi c'est pas très précis hein. Laissez-moi un peu respirer, d'accord? 5 pages, 4 pages. Ok. Dans ce tournoir. Un capuchon d'apprenti. Résistance mentale plus 5. Tout et on regarde si d'ailleurs on peut jeter l'autre casque du coup, voilà, le casque de cuir clouté que je venais de prendre, voilà. Toi tu peux prendre la question d'apprenti, mais est-ce que t'as rien plus, donc oui bah prends le. Oh là 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 là, c'est magnifique, qu'elle est belle comme ça. Ouais, elle est belle ta robe toi. Tu peux prendre un bouclier, ah ouais. Mais bon, ça sert à rien, mais tu prends le bouclier. Alors, disons que voilà, ça, y a plus rien. Ici, c'est bon. Ok, cette salle. Oui, c'est encore un piège ici, mais bon, c'est pas grave. Gauche ou droite? On va faire un meuble. Quelqu'un se cache dedans? Non, c'est trop petit. Une potion. Ok. Page arrachée. Ah, des fois c'est pas pratique, des fois qu'on regarde ça. Un papier roulé en boule et dissimulé ici, ok. Y'a rien d'autre, ok. Bon, on va aller en face. Oula, sauvegarde en cours. Ouais, on la fera après cette porte. Elle m'inspire pas. Je vous le dis comme je pense. Je m'y mets. C'est votre maîtresse qui l'ordonne. Frappons-y fort! Mieux vaut tard que jamais. J'ai passé l'âge de ces jeux guerriers. Prends-le là.
Konari! Frappons vite et fort! Là, ça suffit! S'il le faut, je me battrai! Nous remportons la victoire! Un frisson, une amulette, plus 20 de résistance au froid, moins 1 dextérité. Oh, j'étais plus place pour ça que ça m'énerve. Un petit lingot d'or. Un cadeau encore, ok. Laissez-moi un peu respirer, d'accord? Oui. C'est quand même sur la plus combat. Alors, encore des pages. On est là pour ça, de toute façon. Mieux vaut tard que jamais. Voilà. Encore des pages. Hop. Mais on avance pas mal, là. Ça va. Il se passe pas... Ça va. Une caption d'apprenti. Bon, on va peut-être pas le reprendre, hein. On vient de le prendre, donc on va peut-être pas le reprendre. Celui-là, ça servirait pas à grand-chose non plus. Puis je trouve que c'est pas beaucoup de place, donc il faut que je fasse un tri. Donc on vient de là-bas, hein. Ouais. Ici une porte ouverte déjà. On va aller voir ce qu'il y a dans cette porte ouverte. Ah, y'a rien. Oh, ok. Non, c'est d'où je viens ça. C'est moi qui suis con ou quoi? Oui, on vient de là. Oui, on vient de là. Je ne sais plus me repérer, je suis perdu. Non. Ok, oui, donc c'est pour toi. C'est compris. Ah. Je savais bien qu'il y avait. Qu'il y avait... Mitoyable. De maille lourde de 26 en force. Bombe d'agilité, bon je sais même j'ai plus de place, mais oui. botte de brigantine, on jette, on prend ça. Ce bouclier contre les engences, ok, mais celui-là il est pas mal, mais non, au final il est pourri ce bouclier, on va le jeter. Bombe d'agilité, on s'en fout, mais je vais quand même le prendre. Et puis ça, on va prendre. Ok, plus de place. Un puissant. Des flèches de feu. Arc long, 22 trucs. Arc court. Pourquoi il fait, je passe à la il est plus long, ça, je sais pas. Okay. Un collier pour chien. Ouais, c'est vrai que je connais pour chien. Bon, des vêtements, on va peut-être les jeter. Hein. Hop, et puis ça, on va le prendre. Voilà. Ensuite, niveau armure. Voilà, côte de maille lourde pour Sten. Poum. Voilà. Elle sera largement meilleure que celle qu'il avait. Donc du coup, voilà. Donc on peut aller fouiller cette putain de salle. Mais je le savais, hein, comme je vous l'avais dit, que cette salle serait violente. Ça se sentait direct. Je n'ai pas fini le, on a pas fini le truc de tout visiter, donc on va pas non plus y aller maintenant. Mais... Vous avez combattu tel que je l'imaginais. Je me laisse fouiller ce corps, mais
Document privé, ok, mineur, t'as vivement que je retourne quelque part où je puisse acheter des soins. Un sac. Parce que là, j'avoue que je suis un petit peu. Ça me fait un peu chier de mon inventaire soit plein comme ça. Bref, continuons de visiter avant d'aller de monter prendre l'escalier. Ah bah moi que je dois visiter déjà. Ah non. Coffre fermé bien sûr, une page arrachée. C'est compris. Voilà, 5 pages, 4 pages. Okay. Il n'y a rien d'autre. Que j'ai visité toutes les salles là, j'ai visité ici. Ok, bah écoutez, on progresse. Ok. 22 minutes, donc c'est bon, je peux avancer un petit peu quand même. Allons à l'étage suivant. Progressons. Je sais pas combien il y a d'étages. Nous devons mettre un terme à ces horreurs. Je suis bien d'accord avec toi. Là, il y a une porte, mais c'est pour redescendre, hein, c'est ça. Voilà, deuxième étage. Bon. Progressons dans ce troisième étage. Le dîner. Ah. Tout est comme vous le souhaitiez, mon preux chevalier. Notre amour et notre famille dépassent toutes vos espérances. Wow. Mort au démon, on entendra ce que se passe ici. Relâche-le, démon impie. Je t'ordonne d'arrêter. Ce que tu fais subir à cet homme. Nous, on entend ce qui se passe ici. N'entendez-vous rien, mamie? Rien, mon aimé. On frappe à la porte. Je m'en occupe. Les enfants ont fini de souper. Allez les border pendant que je vais ouvrir. Ne tardez pas. Les enfants voudront vous souhaiter bonne nuitée. Cela ne prendra qu'un instant. Wow. Mon agneau, vous me dérangez dans un moment de tendresse. Et d'intimité. Je n'aime pas les intrus. Tu es bien foutu, tu es sexy, tu n'as pas grand chose sur toi, dommage que tu sois. Et moi, je n'aime pas les démons, meurs. Tu as envoûté ce templier, n'est-ce pas? Voilà, ni tendresse, ni intimité. Mais si, c'était assez intime quand même. Il n'y a rien de plus envoûtant que le bonheur. Toute chose que prisent les mortels renferme un certain pouvoir. Je lui ai donné ce qu'il a toujours désiré. Quel mal à cela. Ouais. T'as de beaux yeux, tu sais. Je vais mettre un terme. La tuer, son bonheur est une illusion, un mensonge cruel. Ce n'est que du prix, tu lui fais du mal. Comment es-tu parvenu à cela? J'ai perçu sa solitude. Son désir d'une famille aimante. Une famille où la femme et les enfants sont en réalité la même personne ou entité, c'est très perturbant. C'est vrai. Combien de temps vas-tu le maintenir dans cet état, démon? Lorsque son corps lui fera défaut et que la mort le prendra, en aura-t-il conscience? Une existence courte et heureuse est préférable à un long calvaire. C'est pas faux, ça, hein? À chacun de trouver sa liberté. C'est au Templier de la saisir. S'il en est de cet homme, qu'aura-t-il appris? Rien du tout. Mmh.
Nos pensées, nos esprits ont fusionné. Si l'un périt, l'autre suivra. Bien que je doive consacrer l'essentiel de ma force à maintenir ces liens, je suis sa femme et ses enfants. Il me défendra jusqu'à la mort si nécessaire. Je ne désire rien de vous. J'ai tout ce qu'il me faut. Je ne vous demande qu'une chose, que vous nous laissiez en paix. Alors là, oui, je suis un petit peu là, parce que d'un côté, c'est vrai qu'elle est pas... Bah, certes, elle... Pardon. Le mec, il est sous son contrôle, hein, donc du coup... Il n'a pas trop le choix, le gars, mais en même temps... Bah, elle lui fait pas spécialement de mal, le gars, il vit une vie virtuelle qui le rend heureux. Enfin, même s'il n'a pas l'air très heureux, là, mais bon... Donc, je sais pas. Pour que tu passes au suivant, une fois que tu auras sucé jusqu'à la moelle, je dois le libérer. Si ce n'est moi, ce seront les Templiers. Que donnerait-il de vous si je t'épargne? Peut-être nous échapperons-nous. Peut-être pas. Très bien, fais ce que tu veux de lui. Tu es trop dangereuse. Non, elle n'est pas dangereuse pour l'instant. Voilà une bien curieuse situation. Entendu, je t'épargne. Je vous remercie, même si cela ne vous importe sans doute guère. Vous ne nous reverrez plus. Venez, mon agneau. Allons nous promener. Les enfants veulent que vous leur montriez toutes les étoiles dans le ciel. Ouais, mais écoutez, ouais, bon. Bon, voilà, quoi. Ouah, tout ce qui est ici, tous les cadeaux et tout et tout. Ouais, mais je peux pas tout prendre là. Bague en argent, on s'en bat les couilles. Et un vase raffiné, on s'en bat les couilles aussi. Essence, électricité plus 10. J'ai plus de place! Excusez-moi. J'ai plus de place, ça m'énerve! C'est quoi tous ces baumes là? J'ai rien à foutre de ces baumes, puis ils n'utilisent pas ces baumes. Petit piège, on s'en fout des pièges, de toute façon on n'utilise pas les pièges. Voilà, moi je vais prendre des cadeaux. Le champ de marin, tant pis, l'électricité, on s'en fout. Putain, j'ai plus de place, bordel. Après, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon, tant pis. On a épargné un démon, hein, donc. Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, bon, les gants on s'en fout, nécessaire de soins minéraux si on le prend. Voilà. On a épargné un démon. Ben voilà. On verra. Oula. Des visiteurs. Je vous ferai bien l'honneur d'une réception, mais c'est trop d'efforts. Waouh. Moi je vais te faire l'honneur de te tuer. Tant mieux, tu n'en sois que plus facile à tuer. Qui est cet homme? Que l'as-tu fait? Il se repose, c'est tout. Oui, bien sûr. Pauvre homme, comme il était fatigué. Vous voulez nous rejoindre, n'est-ce pas? Vous n'avez pas envie de vous allonger, d'oublier, de vous délester de ce fardeau. Oula. Mes yeux se ferment. Wow. Passez-moi. Wow. Il faut résister, oui. Et se battre. Je suis d'accord. Résister. Il faut résister. Sinon tout est perdu. Je suis bien d'accord. À quoi bon? Vous méritez mieux. Vous méritez du repos. Le monde continuera de tourner sans vous. C'est vrai aussi. Oh, merde. Merde. Oh. Moi, putain, en plus, je sais que dans les pièces centrales, c'est toujours là qu'il y a des gros, donc putain, mais j'aurais pas dû être dans cette salle avant. Ah ouais. Ah ouais, comme ça, ok. Je suis dans un rêve. Ah, pourquoi? Filon. Oh, on retrouve notre ami Duncan, ça. Ah, vous voilà. Je ne vous dérange pas, j'espère. Bah, non.
que voulez-vous de moi, à vrai dire, si j'ai du mal à me rappeler ce que je faisais. Un instant, vous devez être mort. Mort ? Moi ? Oh ! La mort m'a frôlé à maintes occasions, mais je n'ai jamais cédé à ses avances. Je venais m'assurer que vous étiez heureux ici, à Weishaupt. Ce lieu grandiose est l'œuvre des premiers gardes des ombres. Impressionnant, n'est-ce pas ? Tout va pour le mieux. Nous avons éradiqué les engeances. La paix est revenue. Mais bien sûr. Maintenant, si, pour la première fois de l'histoire. Et cette histoire, vous y avez contribué. Vous ne vous rappelez pas ? Ce fut un triomphe pour nous tous. L'archidémon est mort, et nous avons purifié les tréfonds par le feu. Jeune effronté, je vous ai tant donné, et vous me le crachez au visage. Ne pouvez-vous vous satisfaire de la paix que je vous offre ? Ce n'est là qu'une complaisance, je peux... Non. Les autres ne sont pas... Non. Ils ne sont pas inquiétés pour ça, je souviens la face. Il faut croire que seule la guerre et la mort vous satisfont. Fort bien. Les voilà, vos engeances. Puissent-elles vous entraîner au tombeau. C'est compris. Laissez-moi un peu respirer, d'accord ? Il est faible. Tu vas le regretter. Là. Je ne vous le cache pas. J'ai cliqué. Waouh. Putain. Je ne comprends pas tout. Je ne sais pas où je suis. Qui êtes-vous ? Ah oui. Et d'où venez-vous ? Êtes-vous un démon ? Non. Vous n'en êtes pas. Je le vois bien. Vous êtes comme moi. Vous avez pu vous sortir de ce piège. Bravo. Je suis encore dans le piège apparemment, mais bon... Mes compagnons sont-ils aussi pris au piège ? Vous êtes venu accompagner ? Vos compagnons sont sans doute eux aussi pris au piège, oui. Quiconque s'aventure ici est pris au piège, ouais. Victime d'un rêve dont il n'aura ni la volonté, ni le pouvoir de s'extraire. Je pensais m'être échappé moi aussi. Mais voilà une éternité que j'erre dans cet endroit maudit. Je m'appelle Nihal. J'essayais de sauver le cercle quand j'ai rencontré le démon de la paresse. À peu près comme vous, j'imagine. Oui, donc c'est pas non plus des lustres que tu es, hein, brutiste, hier en mentir, même pas. Hein. Nous usions de la litanie pour lutter contre les mages du sang. Mais il est trop tard. Tous les nôtres ont péri. Non! Je ne sais pas. Ils ont dû s'entraîner en secret et se former mutuellement. Je les connaissais et je leur faisais confiance. La litanie était notre seul espoir de sauver le cercle. Mais à présent, cet endroit vous enlève tout. Votre espoir, vos sentiments. Mais non. Votre vie. Nous avons trouvé une issue. Non, il n'existe aucune issue. Je regrette de ruiner vos espoirs, mais c'est la vérité. Mais tu n'en as rien. Voyez-vous ce piédestal ? J'ai longuement étudié les runes dont il est gravé.
Elles représentent les îles qui forment ce royaume. Le démon de la paresse gouverne son domaine depuis l'îlot central, inaccessible. Les cinq îles qui gravitent autour dressent une sorte de barrière. Lorsque je l'ai compris, j'ai pensé tenir une piste. J'ai donc visité ces îles l'une après l'autre. Seulement, pour voir mes espoirs déçus, il y a toujours un obstacle. Vous voyez le chemin sans pouvoir y accéder. La frustration vous envahit, et avec elle, la folie. Je l'ignore, les rêveurs sont légion ici. Avec de la chance, vous trouverez le moyen de les rejoindre, mais rien n'est moins sûr. Bien peu, hélas. Le démon de la paresse a posté ses mignons sur chacune des îles. Je les ai vus de mes yeux. Ils changent d'aspect à leur guise, mais ils sont là. Les vaincre est peut-être le seul moyen d'atteindre le démon de la paresse. Bah oui. Mais il vous faudra d'abord les débusquer. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas eu le courage d'essayer. Genre, ça se trouve, toi, tu en es, hein. Oui, des obstacles et nombre d'étrangetés. Une rivière de feu s'écoulant devant un portail. Une porte ouvrant sur la liberté, mais à laquelle nulle clé ne correspond. J'ai même trouvé un passage à peine plus large qu'une main, par lequel une souris allait et venait sans cesse. Cette vermine s'est enfuie avant que je ne puisse faire quoi que ce soit. Parce que les souris sont timides de nature, même celles qui sont en réalité des humains. Tous ceux que vous voyez, ou presque, sont des rêveurs. Wow. Chaque rêveur possède des connaissances propres. La souris aurait pu me dire ce qui se trouvait derrière ce minuscule passage, ou comment y accéder. Ou même, comment me rendre tout petit comme elle et la suivre dans la trouée. Et s'il existe un moyen de passer par là, c'est peut-être qu'il y en a aussi ailleurs. Oui, oui, certainement. Nial, s'il te plaît, ne sois pas défaitiste, Nial. Ne sois pas comme ça. Donc voilà, bah écoute, on va se laisser ici, hein, du coup, dans ce monde magique, dans ce monde mystérieux. Hop. Portail de l'immatériel. Donc c'est le fameux piédestal. Oui, je regarde juste vite fait, hein, c'est ce qu'il y a par là. Ok, ça c'est un truc, ok. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on va se laisser ici, dans ce monde fantasmagorique, ou dans ce monde perdu, dans ce... Merci le démon de la paresse. Voilà, allez, sur ce, c'était Quamangus sur Dragon Age Origins. Rendez-vous demain pour la suite des aventures. Prenez bien soin de vous. Allez, allez, ciao tout le monde.